J'étais bien chaud pour avoir un petit une petite larme, mais finalement je vais me rabattre sur de l'armure. Peut-être j'aurais dû prendre un Négatron, c'est fort Négatron en ce méta. De ce que je sais. Je sais même pas si on peut vendre le premier perso. J'ai pas envie d'essayer. Mais quand même, ça donne un peu envie. Mode automatique, nous dit H. Ok. Z. Projet Z. J'ai déjà H, le manteau de la nuit. Je crois que projet, ça a changé. Ouais, c'est ça, c'est 5, 7, 9 maintenant. Alors, paire de talons, évidemment, on clique. Surtout que c'est très fort, les items comme manteau de la nuit sur Viego et sur talons. Là, je suis quasiment certain de vouloir slammer un manteau de la nuit. Hein. Avec armure, je crois que c'est un des meilleurs items. Hein. Il y a cap solaire, mais t'es un peu nerf. Et là, à moins que je sorte une Big Senna. Ouais. Talon 2. Alors ça, c'est pas mal aussi. Hein. De toute façon, tu fais pas les deux. Tu fais pas BT plus ça. Mais je me dis, il y a le manteau de la nuit sur Z, par exemple. Le truc, c'est que je sais pas si ça se joue encore Z. J'aurais peut-être pas dû acheter le Blitzcrank et me préparer pour la civière. Là, de toute façon, je suis censé avoir un perso. Ah merde, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Parce que poids plume, pourquoi pas? Et je vais chercher genre talon Carrie. Talon Camille? Il joue une composition Renega. Pardon, mais c'est quoi cette game? Tu joues elle et lui, elle, comme ça? Je fais un truc dans le genre. Tu crois que j'ai deux fois ça aussi? C'est quoi cette Senna? J'en ai des questions. J'en ai des questions. Ça serait quoi le stuff d'un talon? Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. Je suis un peu malade. Je vais faire 3 games quand même parce que j'ai très envie de streamer et de vous partager du gameplay. Mais on peut dire que c'est ionique hein, finalement ce truc-là. Ouais, on va acheter ce Nasus, comme ça nous fait une petite paire de plus. Qu'est-ce qu'on nous propose? Bagarreur, gangster et rigide. Bagarreur tel quel, c'est pas dégueulasse, mais ok. Blitz au Klenko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y a beaucoup de gold quand même. Parce que si je joue vraiment talon, je m'en fous d'elle, je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'eux. Si je garde Blitzcrank à la limite pour déconner, genre Blitzcrank il ira bien avec Camille, donc je peux faire sortir Vi. Ou alors je garde Vi pour la possibilité d'avoir... Ah je sais pas, en fait je me dis que Talon, comment il s'appelle? Good morning. Ouais, pas good morning à toi, bâtard. Ouais. Je me dis qu'avoir un Alistar, c'est un peu l'assurance d'avoir du... C'est un peu avoir l'assurance de l'Oroc et de l'Egide, donc peut-être que Vi est pas si dégueu. Oh, on va laisser Blitzcrank à 1 PV comme ça. Et on gagne pas. Bon. Oula. Oula, c'est bien nul ça. Section Anima éclaireur dueliste. I'm going to hell. Bon. Donc c'est augmente Vein et je joue. Et je joue mes. Ah attends, mais je peux même carrément acheter H.
c'est pas vraiment le play pour l'instant. C'est peut-être pas vraiment le play encore. Que c'est chaud. Vais le laisser refroidir encore un peu ce plat. Quitte à le manger dans de nombreuses minutes. Ouais. Je suis pas fan pour l'instant de la game. Si je prends Yonick, je pense que ça m'enferme directement dans les Renégats. Dans les Renégats, pardon. Mais si je prends pas de la paix, je prends quoi? Je prends un crit. Elle est carrément sur moi et tout. Alors, je pense que ce serait bizarre de pas prendre la paix. Tel quel, ça m'aide à carry avec Talon. I'm going to hell. De toute façon, je peux pas jouer elles parce qu'elles me sortent par les yeux. Non, parce qu'elles sont elles sont pas de cost en fait. Et du coup, pour Plume, je pense que tu peux pas te permettre de le deny, tu vois. Tu l'as, tu le joues quoi. Ouais, vaut mieux faire ça pour au moins avoir au rock. Mais Yasuo, apparemment, a apporté un CC, il fait pas grand chose. Hein. Donc assez bien, lui joue Sivir. Il joue défenseur et Sivir et Talon, ça one shot Sivir et défenseur ça fait pas chier Talon. Donc finalement. Respect. Il a eu un peu de mal à tuer quand même. Je me rappelle plus s'il y a une spat renégat, je dirais que oui, avec de l'armure. Par contre, je suis terriblement malchanceux sur les rôles. C'est moi qui rêve. Je pense que je vais Yasuo, je mets Annie. Hein. Comme ça me refait des paires. Par contre, laissez-moi me rappeler qui sont les Aurochs. Il y a Fiora, elle est quoi déjà? Elle est dueliste. Il y a Alistar. Ok. Donc on aimerait bien jouer Fiora quand même. C'est ça qu'on essaie de se dire. Alors son talon va sauter sur mon talon, ça c'est pas très bon. Après s'il fait son spell, mon talon il va taper le sien. Ok, respect. Je sais pas pourquoi j'ai tué, mais bravo. Bah, c'est un bon fight, ça. Par contre, c'est bizarre que lui, il joue un peu talon alors que moi, je suis en train de jouer, quoi. Comment il s'appelle? Attends, mais le lobby est archi stack. Je pars du principe que je vais l'avoir, mon petit truc. Yo, Jules, quel mic tu utilises? Salut, Xana. Je suis sur un Rode NT USB 2.0. Voilà, j'espère que c'est très précis pour toi. Je sais pas si c'est le 2.0, mais je crois que c'est un Rode NT USB le nom. Je peux te le présenter, tiens, regarde, il est beau. Fin de la présentation. C'était très rapide. J'espère que ça t'a plu. Oh, Norok! T'as vraiment un bon son pour un Rode USB. Et encore, j'ai la voix complètement détruite, mon ami. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Mais merci beaucoup. J'ai essayé de faire passer ça sur Voice Meter pour avoir bah, la meilleure gestion possible du son. Je pense que c'est à peu près correct. Je vais mettre le spell crit. Là, je pense que c'est un stuff correct. Il va manquer un peu de régénération, mais il va se débrouiller. Il va trouver des choses, vous inquiétez pas. Vous en faites pas pour lui. Ce Alistar, en fait, est-ce que. Ah, je suis vraiment détruit. Est-ce qu'il rentre ou pas? Moi, je pense qu'il peut rentrer, je push et j'essaie d'assurer la win. Moi, je me dis ça. Ouais, c'est pas dégueulasse. Vous voyez, on tombe sur un mec qui est quand même niveau 5. Je regrette pas ce up. Peut-être que la musique est un peu forte là, non?
Moi, elle est un peu forte dans mes oreilles. Le truc, c'est que je peux pas savoir sur le stream. Vu que je peux pas faire de clip avec le son. Je vais baisser un peu dans mon doute à moi et. Et si j'ai tort, je suis désolé. Très bien, on a la deuxième augmente. Et on est premier du lobby avec une série de 4 win streak, 44 gold. Qui a 40 gold en vrai ici dans le lobby? Hein? Oula, lui. Lui là, il en a des gold. Ok, très bien. Alors on peut aller chercher quoi? Archive antique, c'est très bon pour essayer de trouver Renega ou Auroch. Ascension, c'est pas dégueulasse aussi. Ouais, go archive antique. Là j'ai des Auroch, je vais juste. Est-ce que j'ai envie de jouer programme? Je suis pas sûr. Est-ce que je sortirais pas ça? Voilà, et avec ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai de grandes chances d'avoir Auroch ou Renega. Voilà, parfait. Hey, I live in life for renegades. Oh! La musique Renegades au moment où j'ai l'emblème Renega! Incroyable! I live in the light for renegades. Je sais même pas le but de ce jeu. Teamfight Tactics, c'est un jeu dans lequel tu vas affronter tes adversaires avec une équipe que tu as toi-même composée. Et après, tu fais pas le combat. Tu vois, là, j'ai les mains levées. C'est-à-dire, le combat se fait automatiquement. C'est ce qu'on appelle un auto-chess. Et le but, c'est d'être parmi les 8 joueurs le dernier en vie. Donc pour ça, il faut réussir à faire une équipe la plus puissante possible. Tu vois Football Manager? Si tu vois Football Manager, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des saisons et que ça dure très longtemps, là on est sur une partie de 40 minutes où on va faire à peu près 20-25 combats dans la partie. Bon, j'ai essayé d'être le plus précis possible, j'espère que ça t'a aidé. Et donc actuellement, moi je joue une composition où je joue des Renegas et des Auroch. Les Renegas et les Auroch, bon là les Renegas c'est pas encore activé, mais ça me fait des dégâts supplémentaires. Et les Auroch, ça me permet d'avoir de la vitesse d'attaque supplémentaire et un peu de survivabilité. Voilà. Ça y est, je vais pouvoir faire entrer programme et Renegas. Renegas, pardon. Lancement de leurs compétences, vos programmes gagnent plus 10 de puissance. J'aime pas. Vitesse d'attaque, pourquoi pas. Dégâts d'attaque. Living the life for renegades. Vas-y, on va faire ça. Et voilà, là on a une jolie composition qui est bien activée. Moi je suis plus sur des jeux d'action, et ouais je comprends, il y a pas mal de types de personnes qui sont pas faits pour ce genre de jeu de stratégie. Après, là c'est surtout que je suis revenu sur cet objectif là il y a pas longtemps. En ce moment moi je suis sur du Dofus à fond. Et je me suis dit que j'allais revenir un peu sur TFT pour essayer d'atteindre le rang Master, ça s'appelle. Mais je vois que t'as follow en décembre. C'était sur quel jeu que tu m'avais follow, Xana? J'arrive plus tôt à me rappeler. Dofus, je pense. Ah ouais, certainement. De toute façon, c'est un peu le jeu. Oh, bah attendez, mais quoi? Là, ça, c'est mon perso, il est parfait. Si j'ai ce perso-là, j'ai pas gagné la game, mais attention. S'il vous plaît, laissez-le. Non! Mais Revanx, fallait me le laisser. Attends, il y a encore ce perso-là? Vas-y, go. Annie 2 et Fiora. J'achète Annie 2. Lui, je le garde. Faudrait que je pense à reroll un peu le talon pour faire talon 3. Est-ce qu'actuellement Annie 2 elle rentre pas ici quand même? Fait 3 euros qu'avec elle ça pourrait me faire 4 euros. Mon affection est très profonde. Mais non, merci beaucoup, Klusa. Merci beaucoup, BG. C'est très gentil. Comment tu vas? Oula, attendez, quoi? On est au 7, il a Aphelios, Samira, full gear? Alors qu'il joue deux défenses. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est quoi cette partie? C'est de la folie, sa partie à lui. Bon, live et courage pour Laurent, merci beaucoup, poulet. Passe une bonne journée. Bon courage pour le taf.
J'ai jamais eu l'occasion de le faire, j'ai toujours kiffé les streams et ton mood général, donc c'est cadeau. Bah, t'es un amour, merci beaucoup, Cruza. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très. Comment? C'est tellement mignon comme message. Merci beaucoup. Alors, programme soutien. Vu que mon programme, c'est un programme avec. Avec des dégâts d'attaque, je m'en fous de jouer sur AK. Moi, je vais juste roll un tout petit peu. Pour Vaille 2. En vrai, là, il y a des. Ok. Bon, j'ai dit un tout petit peu, mais ça va être un petit peu plus du coup. Je ne ferai aucun cadeau. Pas que j'aille trop loin. Voilà, je pense que là c'est correct. Je vais vendre une Fiora, je garde l'autre. Donc Talon, je peux continuer à le jouer. Blitzcrank, je peux continuer à le jouer. Lui, c'est pas sûr qu'il rentre. Là, ma prochaine rentrée, c'est un Orok. Donc Fiora ou Viego. Fiora, elle est déjà là, mais je suis pas niveau 7. J'aimerais bien me refaire un peu d'écho avant de la faire rentrer et avant de push. Lui il joue vraiment talon, c'est bizarre. Et le pire c'est qu'il avait pas mal, enfin il avait ouais, plus HP que moi jusque là. Encore Fiora. Bon je la prends vite, vite fait. Là-bas j'ai mes reroll one cost. Là j'ai Fiora potentiel et là j'ai Sylas potentiel. Je pense que c'est certainement ces deux-là qui vont se vendre si j'ai pas de gold sur ça. Allez, va me chercher. Ok, un blitz, plein de gold. Ok. Bon, j'ai refait des golds, maintenant on va rester en positif en termes d'économie. On va essayer de trouver la meilleure combinaison d'items. Donc je peux faire Shroud et Lithoplastron. Ou alors je peux faire Mercure et Armure Rancière. Et ben devinez quoi? J'aime aucun des deux. Et je peux pas faire plus, je crois. Avec ça, et lui il dirait ok, c'est, je peux pas faire plus. Là j'ai une belle équipe, hein. Tout le monde est niveau 2. C'est juste dommage, enfin tout le monde est niveau 2, plus je joue poids plume qui est quand même aidant avec les persos 1 et 2 cost. Et là j'ai la possibilité avec mon reroll d'aller chercher un Viego Carry. Chose que je ferai sans hésiter si je l'ai. Hein. J'ai énormément de mal à me mettre dans cette, mais la même, hein. Là j'ai enfin la même. J'aime trop le set, mais il y a tellement d'autres jeux mieux en ce moment. Que du coup j'ai du mal à avancer énormément aussi. Les mécaniques sont sympas, il y a des trucs cool, mais j'ai l'impression que c'était un des sets les moins enfin les plus polarisés justement du. Oula. What? C'est que des five. Ah. Attends mais c'est toujours Léona là non? C'est Renégat Égide. J'ai l'impression que c'est toujours Léona. J'ai peut-être tort. Hein. Je suis à 4 renégats. J'ai le cinquième là. Ce qui me fait juste chier, c'est qu'il me faudrait Viego et lui qui rentrent. Et à la limite, ça pourrait se faire. Genre je fais sortir lui et je fais entrer lui et Viego sur Vaille et Annie. Ah non, Annie me ferait sortir au roi. Ah c'est dommage, je sais pas encore. T'as joué un peu à Hogwarts Legacy ou pas du tout? Pas du tout mon ami. Pas du tout, pas du tout. Je pense que j'ai même pas la place sur mon ordinateur pour accueillir ce jeu. Et après en termes de plaisir à jouer à un jeu solo comme ça, je sais pas où j'en serais. Mais là en ce moment il y a trop de jeux qui me donnent envie pour me lancer dans... Pour me lancer dans un jeu comme Hogwarts Legacy. Genre... j'aime trop... J'aime trop Dofus, j'aime trop LOL, j'aime trop TFT. J'ai aucune raison d'aller jouer à un jeu comme ça. Pour l'instant. Je me demande si avec Léona je devrais pas changer justement cela le lithoplastron. Need you by my side.
aucun défi. Allez, Viego ou alors... Voilà, là je me dis qu'il y a moyen de faire armure roncière plus ça. Ça me laisse un item pour quelqu'un d'autre. Là je fais oui, armure roncière et un item bien tanky pour elle. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Je vais chercher les 6 renégats, pardon. Zut, il est mort. C'est quoi ça en face? C'est un 7? Eh ben... Je pense que même si je suis premier du lobby, je vais bottom cette game. Je me vois mal remonter ça alors que j'ai poids plume 1 qui va bien avec les persos 1 et 2 cost et qu'on est dans une game avec des augmentes légendaires. Je vois pas comment je peux remonter ça. Là en plus les items, vu que je suis premier... Depuis tout à l'heure je suis dans le top du lobby, du coup j'ai pas les objets que je veux. On va faire ça. Hein. On va faire ça pour l'instant et on va attendre affliction seule peut-être. Là on veut juste un Viego. De toute façon si même je le trouve, où est-ce qu'il va rentrer? Je ne sais pas. Elle est prête à rentrer pour 4 au rock. Elle apporte bagarre rigide, je peux faire ça. Ça me fait 4 au rock. 4 rocs, ça fait vraiment une différence. Ça a l'air de bien aider quand même. Phallitoplastron spell crit et il me reste un item. Ça j'aime bien. Et le dernier item, il peut aller sur Viego qui sera Annie du coup. Ou alors sur quelqu'un d'autre. Peut-être que là du coup c'est Blitzcrank qui sort. Donc je peux revendre tout ça à un moment. Donc c'est tout ça qui peut sortir. Toi t'as joué un peu Krusa à World Legacy? 5, je passerai à 37. Vaï a peur de rentrer. Ouais Vaï a peur de rentrer. En fait c'est pas des mauvais trucs de les garder ces frérots là. Ah mais non mais si je fais passer Blitzcrank 3 je le renégat, je saurais pas sur qui le mettre. On s'en fait ça et ça. Donc là j'ai mon cinquième renégat. Et le sixième c'est forcément Viego. Hein. Donc je passe niveau 8, je fais rentrer Viego et je mets Silas sur Annie. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai juste mon PC de cours, ensuite déménagement avec la copine, puis on investit dans un bon PC et je l'achèterai à ce moment-là. Ok. Est-ce que tu as pas... genre, est-ce que t'as la hype jusqu'au bout? Que c'est le genre de jeu, à mon avis. Vu que là, tout le monde y joue et tout le monde a la hype, c'est sympa. Je sais pas si dans quelques temps, les gens voudront toujours y jouer. Peut-être lui aussi, il a eu Léona. Genre, c'est le genre de jeu, tu penses que... que tu pourras retravailler même quand l'hype sera un peu parti. Rogue Duelist, non mais je crois que c'est ça. Je suis huge fan de l'univers d'Harry Potter donc je crois que je serai toujours dedans. Ok nice, très très bon ça. T'as lu un peu? Ou est-ce que t'as juste... est-ce que t'as juste vu? Comment tu es sur Harry Potter? Fiora, je m'en fous un peu. Une épée, très bon. Re de la paix, très bon. Ok. Ok. Et là, c'est le stuff parfait pour Viego, en gros. Ok.
Correct. Correct, correct. Je peux vendre elle. Il y avait un deuxième Viego, je l'avais pas vu. Et là, du coup, Vice y a rentre, c'est pour bagarreur sur Blitzcrank plus Égide. Après, Blitzcrank en lui-même, il apporte rien du tout. Donc c'est Vi qui rentre vers Blitzcrank là. Parce que le programme, c'est juste des dégâts pour Camille qui n'est même pas trop une carry quoi. Elle est où Camille? Ah, troisième au dégât quand même. Elle, elle apporte Égide 3 quoi. Ah, je vais peut-être pas tenir une heure de stream. Hein. J'entends ma voix qui part en couille. Je sais pas, moi j'aime les gens qui ont la voix comme ça, ça me fait mal au cœur. J'espère que ça vous dérange pas trop. Là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, mais c'est sûr, ça apporte rien en fait, toute seule. Elle apporte 3 égides, mais elle sort programme. Ouais. Après. C'est quand même mieux, je pense. Lui, il apporte un bump. C'est pas à négliger. Moi, bon, je sais pas, on va laisser derrière, on va voir ce qui se passe. Hein. Nouveau professeur Layton au Pokémon Direct, je suis giga hype. Ouais, j'ai vu, hein, j'ai entendu parler du nouveau prof Layton, et ça, par contre, je suis très, 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 très chaud. Moi, c'est dans les petits jeux là qui peuvent sortir bientôt, il y a Silksong de Hollow Knight, il y a Layton, et il y a. Et il y a Professeur Layton justement. Et j'ai oublié de dire, il y a Zelda, Breath of the Wild 2. J'ai grand espoir que ça sorte. Ok, on a Viego 2 qui rentre. Bon là en gros on veut Leona 2. Est-ce qu'on veut vraiment d'autres choses? Mascotte, on veut bien. Hein. Genre Nunu au niveau d'après. C'est en mai Zelda, je sais pas si t'avais la date. Ah non, j'avais pas du tout la date, c'est en mai. Putain, pour mon anniversaire, magnifique ça. Merveilleux. Bah écoute, j'espère que ça sera cool. J'espère vraiment que ça sera sympa. Je vais essayer peut-être de faire comme l'année dernière. Enfin, c'était l'année dernière ou c'était il y a 2 ans. Je vais peut-être essayer de prendre des vendredis et de streamer 10 heures de Zelda d'affilée. Peut-être je ferai ça, ouais. C'était tellement bien, c'était vraiment la meilleure période de ma vie, mais j'ai gardé aucune vidéo YouTube de ça. Et ça m'attriste un peu parce que c'était Zelda, tous les jours, on était, je sais pas, entre 3 et 10 viewers, et on, tous les vendredis, ça tapait 10 heures de Zelda, c'était tellement le feu. 8h, 18h. Bon, ce sera peut-être pas le vendredi, ce sera peut-être une autre date, mais... Qu'est-ce qu'on veut, là? Un emblème de Renégat encore? Emblème de Renégat, je prends avec grand plaisir. Très bon ça. Donc là ça, Fiora ça peut être, il faut que je me le dise, Fiora ça peut être Aphelios. Et là, lui il doit sortir pour quelqu'un d'autre. Ah pour l'instant c'est peut-être lui. Pour avoir 4 égides. Ouais. Eh ? Ok. Oh, j'en ai vu des bugs, mais celui-là il était bizarre. Et je me suis peut-être un peu foutu de la gueule du monde à mettre écho derrière. Mais là, je suis à 4 égides, les gars. Je suis monstrueusement tanky. Lui, il joue projet, du coup, tous ses drones, ils me font pas de dégâts. 31 gold, on peut aller au 9. Mais ouais, ça serait vraiment le feu. Faudrait que je vois comment je cumule mes congés. Mais si j'arrive à poser, ouais, tous mes, je sais pas, un jour par semaine. Je pense peut-être le jeudi. Le jeudi serait peut-être le mieux. Alors. Là, Leona 2, Echo. Je sais pas qui je mets derrière.
J'ai personne qui tape à 2. Je fais ça pour l'instant. On verra si je trouve mieux par la suite. Vas-y, talon. Va me la chercher, cette Samira. Même si elle est au rock. Très bien. Encore, tu vas me le chercher, cet Aphelios? Vas-y, même s'il est au rock, très bien. Et ça se gagne, non? Ma Leona fait trop de Est-ce qu'on n'irait pas chercher un top 1? Est-ce qu'on n'irait pas chercher un top 1 avec ce game finalement? J'ai cru au bottom à un moment. Mais là, tel que je vois les choses, on s'en éloigne du bottom. Lui, par contre, il est en 6 défenseurs franc-tireurs. Il faudra que je change. Et lui. Lui, c'est qui c'est carry? Wesh, c'est ça? C'est juste ça, c'est carry? Donc là, j'ai peut-être un peu trop d'égide. Donc Echo, il devrait ressortir. Et Vi aussi. Pour faire entrer des défenseurs. Et genre on fait Leona Mecha. C'est un très bon défenseur ça. J'étais en train de chercher des défenseurs, hop je les trouve. De l'armure. Voilà, très bon. Ok, on va chercher Leona 2. It's international love. Très bon ça. Je perds un peu, mais c'est pas très grave. Est-ce que lui. Est-ce que Vaille doit sortir? Et qui d'autre? Plus Vaille? Je vais rentrer défenseur. Là, j'ai deux persos qui doivent sortir. J'ai 5 Renégats là. Ah, mais j'ai le bug, putain! Ah, mais là, le combat va être bien plus dur. Hein. Ah putain merde, j'aurais dû sortir et remettre Nunu, mais comment je peux anticiper que ce jeu soit buggé à ce point-là aussi? Oh frère, il a aucune chance contre moi alors que je suis en bug là. C'est rassurant quand même. De mon côté, là, Leona elle gagne. Quand on cherche le taureau, on finit en brochet. Parfait. Ok, toi tu rentres. Vu qu'il a des dégâts, je pense que c'est marée nocturne. Et hop, on va mettre sa fronte. Et eux, on peut les mettre aux externes en gros. J'aurais peut-être dû cliquer dessus, voilà, très bon. Là, je fais Leona 2. Là, du coup, je joue Poids Plume qui proc avec, avec mon talon. J'ai quand même les 6 Renégats. J'ai des légendaires qui sont là pour carry les fights. Genre, je me fous pas de la gueule du monde avec cette équipe-là. Peut-être je me fous un peu de la gueule du monde avec cet Aphelios. Genre il a aucun dégât ce bâtard. Ah Aphelios il se fout de la gueule du monde. Je le dis haut et fort. Fiora se foutait moins de notre gueule. Allez du 7 un peu non? Je peux faire entrer Samira. Samira sur ça. On va bien s'amuser. Samira, c'est un ace. Ça peut permettre de one shot. Elle apporte les dégâts à Aphelios. J'ai quand même.
Après, là, je fais rentrer des... Ah, mais oui, je fais rentrer des surshots face à un mec qui joue défenseur. Elle est là, la bêtise, en fait. Ah, elle est là, la bêtise, mais là, d'un coup, toute son équipe est morte. Bah, j'ai changé, les gars. J'ai mis Samira à la place de Vaille. Ok. Après, j'ai Leona 2 aussi, ça fait la diff. Oh, Spatorok. Oh, ou alors, je prends ça. Oh, quoi que... Je crois que j'ai top 1. Hein. Je prends Auroch, je peux sortir en Auroch, non? Si je prends Auroch, je peux sortir en Auroch, ça m'a l'air d'être assez oui. Hein. Je fais rentrer ces deux-là, non? Défenseur, défenseur, ça rentre sur lui. Sur qui tu rentres, toi? Sur toi? Là, je fais deux défenseurs, genre. Bon, il a fait rentrer Fiddle. Je sais pas ce que j'en pense pour l'instant. Je n'arrive pas à savoir. Et puis surtout, j'ai pas fait mecha, quoi, alors que ça aurait été rigolo. Il est très mal passé, mon Viego, non? Ouais, faudrait voir à pas faire le con quand même. Je peux avoir des champions par contre? Ouais, 7-2 j'aime bien. Viego va passer un peu mieux. Elle, on la met middle. Sinon, je trouve Wukong. Je sais pas, j'aurais bien aimé l'idée de mettre Wukong là, à la place de... Je mets ça à la place de Riven. Alors on va voir, peut-être que là, ce fight là va pas se passer pareil. Il a changé tout le positionnement mon adversaire. Non attendez quoi, c'est une blague, je lose. Non, je suis trop nul. J'ai pris beaucoup de dégâts AP si c'est le cas. Non c'est bon, j'ai pris quasiment que des dégâts physiques. Putain, dommage. GG. Putain, j'ai fait de la bêtise là, je crois. Je crois que j'ai manqué 2-3 choses. Et au final, More Life Man est premier, on saura pas pourquoi. Bon, c'était bien cool. C'était bien cool cette petite game. YouTube, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Tchou!